Reste inimaginable. Un fait inédit s'est passé à Mandji, le chef-lieu du département d'Ndolo, dans la province de Langouni, plus précisément à 405 km de Libreville, la capitale gabonaise. Une femme de plus de 80 ans a vu pousser à la place de son vagin un pénis. Fait inédit, au plus fort donc de ce qui est perçu dans la localité comme un miracle, elle a été transportée au centre médical de Mandji où le personnel médical a été réduit à constater ce phénomène inédit. Dépassé, le médecin-chef de cette unité sanitaire n'a pas eu d'autre choix que de demander à la vieille femme de retourner à la maison, ne pouvant pas apporter une solution à son problème. J'ai vu des gens banaliser les faits. Ce n'est pas un fait simple. Ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est même la première fois d'ailleurs qu'on enregistre ce genre de phénomène. Les autres phénomènes sont dus à la chirurgie. Il y a des phénomènes qui sont des personnes qui font la transplantation sexuelle. Mais là, il ne s'agit pas d'une transplantation sexuelle. Il s'agit d'un fait qui relève jusque-là des miracles, parce que cette femme, cette vieille femme, s'est réveillée brusquement comme ça et retrouve, donc à la place du vagin, elle retrouve un pénis. Que s'est-il réellement passé? Jusque-là, on ne saura vous le dire. Nous essaierons d'entrer en contact avec le personnel médical, notamment le médecin-chef du centre médical de Mandji, s'il pourra s'exprimer. On essaiera aussi de consulter des spécialistes qui peuvent nous édifier sur la question, et aussi les pasteurs et les maîtres traditionnels aussi qui peuvent nous expliquer sur ce qui s'est passé. Dans la localité, beaucoup de thèses sont avancées, beaucoup parlent même d'un fait mystique, parce que on a vu dans certaines sociétés donc des femmes qui ont ces pouvoirs surnaturels de se transformer en homme et donc de voir à la place de leur vagin, de voir un pénis germer, et que cela serait resté définitif peut-être à la suite des formules incantatoires mal psalmodiées pour recouvrer donc son statut de femme. Tout cela n'est que supputation. Nous allons essayer d'entrer en contact avec la famille également pour voir s'il y a une possibilité d'expliquer ce phénomène, et la famille pourra nous édifier sur comment, dans quelles conditions on a eu donc ces faits divers jamais enregistrés chez nous et peut-être nulle part ailleurs sur la planète des humains. On sait qu'il y a des hommes qui sont nés femmes et qui sont nés hommes plutôt, et après ils décident de changer de sexe. Là, pour cela, il faut passer par des grandes opérations de chirurgie. Et en ce qui concerne Mandji, le chef-lieu du département d'Ndolo, théâtre de ces faits divers, il n'y a pas une structure sanitaire adaptée. Et même dans tout le Gabon, il n'y a pas une unité sanitaire à même d'accueillir une telle opération. Donc on ne peut pas parler. Cette dame n'a jamais quitté le territoire national pour aller faire une transplantation sexuelle. Et en plus, c'est une femme qui a atteint un certain âge. Je la connais pour avoir grandi
dans le même village qu'elle, Angombo, mon village, qui est situé à 9 km de Mandji, le chef-lieu du département d'Indolou. Donc, comment se fait-il qu'à cet âge, c'est le sexe masculin qui vient pousser à la place du sexe féminin? Autant de questions. Spirituellement, on pourra avoir des explications du côté des hommes des églises, là. Ils pourront nous édifier. Et sur le plan aussi scientifique, il faudra absolument trouver un expert pour nous dire ce qui peut se passer pour en arriver là. De toute façon, personne n'arrive à comprendre ce qui s'est réellement passé pour que cette vieille maman, qui est au soir même de sa vie, puisse se retrouver du jour au lendemain avec un sexe masculin à la place de son sexe, du sexe féminin. Je vous rappelle que cette femme a bel et bien eu des enfants. Elle a des enfants. Je connais une de ses filles qui était en mariage dans mon village natal, dans mon village, Ngombo, qui est à 9 km de Mandji, le chef-lieu du département d'Indolou, dans la province de Langouni. Je connais donc, c'est une femme qui a eu des enfants. Donc, ici, on ne dira pas que c'est une femme qui est née homme, qu'on aurait masqué. Non, c'est une femme qui a bel et bien eu des enfants et qui a beaucoup, beaucoup d'arrière-petits-fils. Et on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans ce pays. Il y a donc dans ce Gabon des territoires comme ça qui regorgent des véritables spirites, donc des personnes qui ont des facultés, qui ont des pouvoirs surnaturels, mais qui malheureusement ne profitent pas du tout à l'ensemble de la communauté. On essaiera de voir dans la journée ou les heures à venir, le jour à venir, voir éventuellement si on peut avoir des spécialistes qui peuvent nous expliquer ces phénomènes. Mais en ce qui me concerne, je tiens d'abord à vous donner d'abord cette information et après on reviendra dans les détails. On ne pourra peut-être pas afficher l'image pour éviter la censure parce que Facebook et YouTube n'acceptent pas des images obscènes. Je peux naturellement la voir parce que le médecin y a accès. Et les autres membres de la famille également constatent que c'est un phénomène inédit, c'est pratiquement un miracle. Donc, elle montre, elle ne se gêne pas de montrer justement ce qui est apparu chez elle. Mais le grand problème, c'est qu'au niveau de Facebook et de YouTube, ceci sera très difficile de montrer cet organe, sachant que très bien que ça peut susciter la censure donc, de la page. Donc, on trouvera le juste milieu pour savoir ce qui s'est passé. Oui, avoir des enfants, ça signifie qu'on est une femme. Quand une femme met au monde des enfants, ça signifie qu'elle est femme. Parce qu'un homme ne peut pas mettre au monde des enfants. Je ne sais pas, vous qui êtes dans des pays plus développés que celui dans lequel je suis, je ne sais pas s'il y a des hommes qui mettent au monde des enfants. C'est ça, je n'en ai jamais entendu parler. Hein, sans opération, sans quoi que ce soit, je sais que j'ai vu un miracle. On a parlé dans un pays, je crois, asiatique, d'un homme qui aurait eu une grossesse et tout. Mais tout ça, ce sont des phénomènes très rares de nos jours et on n'a pas du tout l'habitude de les voir. Et surtout dans ces pays, le Gabon, où la science n'a pas beaucoup évolué, où la médecine n'a pas beaucoup évolué, on ne saurait expliquer facilement ce phénomène qui est apparu à Mandji, le chef-lieu du département de Ndolo, dans la province de Langouni. L'information continue sur Facebook. On se retrouve un peu plus tard. Si Dieu le veut, restez connectés. Le meilleur des sites à vous informer, c'est Facebook et YouTube, où il n'y a pas de censure. À très bientôt sur Facebook et YouTube, justement.
Yeah.
Nangao, 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 Nang